Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez de la forme. Bon, pour une nouvelle vidéo, je vous invite à bien la regarder. Et vous avez rien à perdre. Regardez si vous voulez. Si vous voulez pas regarder, partagez. Il y en a qui veulent regarder, bien sûr. Oui, mais la famille. Pour cette vidéo-là, je vais vous montrer ma décision après le Ramadan. Bon, tout d'abord, j'espère que vous avez bien passé le Ramadan et que vous avez bien profité de la journée de l'Eid, et j'espère que notre jeûne soit accepté. Et pour Inch'Allah. ma décision, il s'agit de du sport, tout simplement. Oui, La famille, moi, ma décision, c'est que mon programme de sport que je faisais avant le Ramadan, j'ai dit je vais le lâcher un moment, mais pas pour toujours que je vais le lâcher, parce que juste après ce Ramadan-là, j'ai pris une décision. C'est qui fait, en fait, ça va pas me permettre de faire les deux. En fait, programme que j'avais, que en fait le programme que j'avais avant et le programme que je vais faire maintenant, et ça va pas me permettre de faire les deux. Du coup, ce qui fait, je vais vous expliquer ça. Bon, En fait, après ce Ramadan-là, la décision que j'ai prise, c'est que d'aller faire des programmes de des athlètes du haut niveau, que en fait pour avoir vraiment de l'expérience et de savoir beaucoup plus et de chercher vraiment dans ce domaine, pourquoi pas, c'est d'aller vraiment loin. Du coup, voilà, on cherche, parce qu'en fait ce sport-là, je compte pas du tout le lâcher. C'est le sport en fait que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc voilà quoi. Et pour faire ces programmes-là, il faut faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est d'aller acheter les courses, enfin, d'aller faire les courses qu'il faut, d'aller acheter ce qu'il faut pour faire ce programme-là. Par rapport à la nourriture, je dis, par rapport à la nourriture pour pour faire ces programmes-là. Bon, en fait, chaque semaine, je vais prendre une athlète qui est bien connue et je vais faire son programme de sport. Par exemple, comme l'athlète Jérémy Bouyendia. Si vous connaissez pas, c'est lui. Voilà. Du coup, là, j'ai décidé de commencer avec Jérémy Bouyendia parce que franchement, je le Mais regarde depuis franchement, longtemps. Ce gars-là, franchement, il m'impressionne. C'est franchement, c'est. Regardez-le, vous allez voir. Vous allez vraiment comprendre pourquoi il m'impressionne, ce gars-là. Il a vraiment de quoi faire et vraiment, vraiment, il a de l'expérience. Donc c'est pour ça que je commence par ce gars-là. Et voilà. Du coup, comme je vous ai expliqué, chaque semaine, je vais prendre le programme d'une athlète et je vais le réaliser moi-même, et voilà quoi. Du coup, restez branchés, restez connectés. Pour la semaine prochaine, il y aura tout ça. Je vais commencer avec Jérémy Bouyendia et voilà bon. quoi. J'ai fini cette explication. Du coup, pour cette vidéo-là, j'ai prévu ma séance que vous allez regarder. Et c'est à la maison, toujours. Les salles sont fermées. Franchement, la salle me manque vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, j'espère qu'ils vont vraiment l'ouvrir. Bon. Et vous allez voir cette séance. Et quand il y aura vraiment la salle, franchement, je vais vous montrer tout ça. Parce que franchement, à la salle, c'est pas pareil qu'à la maison. Et à la maison, c'est pas pareil que le Ramadan. Faut vraiment savoir tout ça. Du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Petit pouce bleu. Bien sûr, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. Et à la prochaine, la famille.